Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Camille Petit et je serai votre maître de cérémonie pour cette soirée. Au nom du président d'honneur, M. Stéphane Leduc, et au nom du conseil d'administration, je tiens à vous remercier de votre présence ici ce soir. Nous désirons également remercier notre commanditaire officiel de la soirée, les cosmétiques France L'Or. Mr. Toussaint would like to say thank you to some friends who came from Florida. He really appreciates their support for the performance of tonight. Welcome to Monsieur and Madame Mott. La mission première du ballet Edith Toussaint est de faire connaître et d'apprécier le ballet classique à un plus grand nombre de gens et plus particulièrement aux enfants, afin de leur transmettre une passion et une discipline de vie. Pour débuter, M. Toussaint a choisi de vous présenter une nouvelle création du directeur général, maître de ballet et premier danseur Timothy Tompkins. Il a créé pour nous Britten Pas de deux. Ce pas de deux classique est divisé en quatre parties. L'adage, le solo du garçon, le solo de la fille et la coda. Cette œuvre est une démonstration de la technique classique Vaganova, de l'excellence et de la maîtrise. Donc voici Britten Pas de deux, d'une musique de Benjamin Britten, chorégraphie de Timothy Tompkins, interprétée par Paola Bergeron et Timothy Tompkins. Thank you.
C'est le moment de vous présenter le président d'honneur de la soirée, M. Stéphane Leduc. C'est avec enthousiasme que ce passionné de culture et de mode collabore avec Dress to Kill depuis sa création en 2008. Stéphane Leduc est également commissaire et animateur des conférences au Festival Mode et Design, une plateforme qui lui permet de mettre de l'avant le talent des créateurs dans le domaine de la mode et du design, tant local qu'international. Il partage également sa vision en enseignant à l'École supérieure de mode de l'UQAM. Nous demanderions à M. Leduc de bien vouloir venir nous dire quelques mots en tant que président d'honneur de la soirée.
Merci, bonsoir à tous et à toutes. Difficile d'être élégant après avoir vu ces danseurs. Mais vous savez qu'on a une légende dans la salle et j'aimerais qu'on l'applaudisse fortement, c'est Eddie Toussaint. D'avoir cette légende, c'est formidable. Je ne sais pas où il se cache, mais j'espère qu'il nous entend. Ce qui est formidable avec Eddie Toussaint, c'est sa passion, c'est son enthousiasme, c'est son énergie. Quand on le rencontre, on peut juste aimer la danse et c'est un peu une des raisons pour laquelle j'ai accepté. Aussi Marie-Ange Barbancourt, qui est fidèle depuis de nombreuses années. Merci Marie-Ange de ta confiance. On m'associe beaucoup à la mode, mais la danse a toujours fait partie de ma vie. La danse, c'est une source d'inspiration. C'est aussi une inspiration quand on voit les danseurs, l'énergie, la discipline, le travail qui est nécessaire pour arriver à l'excellence. C'est vraiment inspirant. Et je rencontrais un grand danseur qui s'appelle Guillaume Côté, un de nos grands danseurs canadiens. Et il me disait, je lui disais, comment vous arrivez à donner une émotion sans parler, alors que dans un film, il y a quand même des scénarios, dans un roman, il y a plusieurs mots. Il disait, c'est comme l'architecture. Quand on va dans une ville, les bâtiments, sans parler, nous touchent. La danse, c'est la même chose. C'est de l'architecture dans le mouvement. Et ça, ça me touche beaucoup et je trouve ça formidable. C'est peut-être une des raisons pour laquelle la danse peut toucher tout le monde, peu importe le pays, peu importe l'endroit d'où on vient. Et il y a aussi l'idée de la relève. Et merci d'être là ce soir, parce que la relève, c'est important. Il y a plus de 200 étudiants qui sont inscrits pour cet automne, et ça, c'est formidable. Et je vous applaudis déjà d'encourager aussi la danse et de faire que ça se développe. Donc, vous êtes très chanceux à Laval d'avoir cette école de danse. Donc, bravo au Ballet Eddie Toussaint et vive la danse! Merci, Monsieur le Duc. Donc, maintenant, nous continuons avec un ballet fétiche de la compagnie intitulé « Ah, cher couple ». Ce ballet a été créé en l'honneur de couples célèbres de l'histoire, tous ayant en commun l'amour. Vous verrez d'abord le contrôle de Dalila sur Samson, après lui avoir coupé les cheveux, comme l'histoire le dit, suivi de Roméo et Juliette dans les derniers moments de leur amour sacré. Ballet créé sur une musique du compositeur québécois M. Frédéric Mété, présent parmi nous ce soir. Donc, voici « Ah, cher couple » d'une musique de Frédéric Mété, chorégraphie d'Eddie Toussaint, avec les danseurs Liana Cliff et Louis-Philippe Laurando. Thank you.
Thank you.
Monsieur Toussaint a pour objectif de laisser un héritage, une voie différente de la danse qu'il a commencé déjà en cofondant les ballets jazz de Montréal il y a 30 ans déjà, et aussi, mais surtout, le ballet Eddy Toussaint de Montréal qui, durant une vingtaine d'années, a été une digne ambassadrice du Québec à travers le monde, que citait le journal Le Devoir dans les années 80. Monsieur Toussaint, ainsi que le conseil d'administration, agit bénévolement au sein de cette nouvelle entreprise culturelle qu'est le ballet Eddy Toussaint et l'école à Laval. Non seulement ils forment des danseurs, mais donnent aussi la chance à de nouveaux talents chorégraphiques d'exister. Louis-Philippe Laurendeau, qui l'a formé lui-même, a reçu l'autorisation de démontrer ses talents en tant que chorégraphe en herbe, bien sûr, mais doté d'une sensibilité et d'un respect du ballet que Monsieur Toussaint voulait partager avec vous ce soir. Ce ballet a trouvé son inspiration au travers de la musique touchante et thématique du film « La liste de Schindler ». Dans sa chorégraphie, il met en parallèle l'injustice des personnes ayant vécu dans les camps nazis avec celle du mouvement MeToo d'aujourd'hui. Louis-Philippe désire dédier ce ballet à ses parents, Chantal et Alain, pour avoir cru en lui depuis le premier jour. Voici donc « Autrefois », une musique de John Williams, chorégraphie de Louis-Philippe Laurendeau, avec les danseurs Paola Bergeron, Claude Motard, Catherine Simard, Alicia Nagira-Huot, Sophie Séguin et Juliette Bienvenue. Thank you.
J'aimerais prendre le temps de présenter le conseil d'administration. Je demanderai d'ouvrir les lumières dans la salle. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, lorsque votre nom sera cité. Madame Marie-Ange Barbancourt, présidente. Monsieur France Bernard, vice-président. Monsieur Louis-Philippe Laurendeau, secrétaire et trésorier. Madame Louise Brisebois. Madame Rose Martin-Sterlin. Madame Isabelle Simard. Et bien évidemment, Monsieur Eddy Toussaint, le fondateur, directeur artistique et chorégraphe. Très jeune, Monsieur Toussaint a été impressionné par la chorégraphie d'un illustre chorégraphe qui est Monsieur Maurice Béjart. En effet, dans les années 70, le film « Les uns et les autres » a offert au public cette magnifique chorégraphie de Monsieur Maurice Béjart. Et ce n'est que plus tard que leurs chemins se croisent. Premièrement, dans les années 80, le ballet du 20e siècle de Bruxelles, à l'époque, était invité, ainsi que le ballet Eddy Toussaint de Montréal, à l'espace Cardin, à Paris, lors du passage de ces deux compagnies en France. Petite anecdote que M. Toussaint aimerait partager avec vous. M. Toussaint ne connaissait pas du tout les sushis, et c'est M. Béjart qui lui a presque forcé la main à mettre dans sa bouche du poisson cru, ce qui pour lui était impensable. Noblesse oblige, il a accepté et depuis, il adore les sushis. Un peu plus tard, leur chemin se croise à nouveau, mais cette fois-ci à Lausanne, en Suisse, nouvelle résidence de M. Béjart. Le protégé de M. Toussaint à l'époque, M. Zdeněk Konvalina, premier danseur des ballets de Houston, y a été invité à danser deux œuvres de M. Béjart, soit les danses grecques et le chant du compagnon errant sur une musique de Gustave Mahler. Ballet qui d'ailleurs a été présenté au Canada, au Québec, sous l'invitation de M. Toussaint, le célèbre Rudolf Nouraïef, accompagné de Charles Jude, tous deux de l'Opéra de Paris, sont venus danser lorsque le ballet Eddy Toussaint de Montréal a participé au Festival de Lanaudière dans les années 80. Maintenant, le boléro que vous allez voir ce soir est dédié à Maurice Béjart pour avoir inspiré cette dernière chorégraphie de M. Toussaint. Donc, le boléro de Ravel, musique de Maurice Ravel, chorégraphie d'Eddy Toussaint, interprétée par les premiers danseurs Natalia Korotkova, Paola Bergeron et Timothy Tompkins, le soliste Louis-Philippe Laurendeau et les artistes du ballet Juliette Bienvenue, Alicia Nagera-Huot, Claude Motard, Sophie Séguin, Alexandra McLean, Mia Di Salvo, Catherine Simard, Juan Carlos Cardona et Basilio Rabanal. Ce ballet est un mélange de folklore haïtien et de ballet classique.
J'inviterais Madame Marie-Ange Barbancourt à venir piger le billet gagnant pour le tirage du panier cadeau d'une valeur de 700 $ offert par notre commanditaire officiel de la soirée, les cosmétiques France L'Or. Je suis contente que vous soyez venue et évidemment, vous savez, sur le conseil, nous faisons tous du mécénat et nous apprécions de voir le public dans la salle qui soutient le ballet Edith Toussaint, la fondation du ballet et l'école de ballet. Merci beaucoup d'être là. Alors, évidemment, le numéro est où là? 270087. 270087. C'est bien ça, non? Oui, exactement. Qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante? Ah, c'est une heureuse gagnante. C'est un prix d'une valeur de 750 $ offert par la compagnie France L'Or que nous remercions énormément, qui nous soutient pour la deuxième année consécutive. Merci beaucoup. J'avais pas prévu parler. Merci. En tout cas, si vous êtes comme moi, vous avez certainement apprécié le magnifique ballet qu'on a vu ce soir. Encore une bonne année d'applaudissements pour tous les danseurs et Edith Toussaint. Merci beaucoup. Ça a été une magnifique soirée. C'était ma première fois, puis c'était magnifique. J'espère que ça va continuer longtemps pour l'école. Merci à tous. Merci pour le prix. Donc, la compagnie tient à vous informer qu'elle sera ici même, à la Maison des Arts de Laval, le 20 et 21 décembre, dans sa production nouvelle du Casse-Noisette, chorégraphie de Monsieur Toussaint. Le 21 mars prochain, au Théâtre Marcelin Champagnat, il y aura aussi la reprise du ballet sur la vie d'Édith Piaf. Des artistes de la compagnie seront à la porte en sortant pour distribuer les cadeaux des invités offerts par les cosmétiques France L'Or et par le fait même pour recueillir vos dons si vous désirez nous encourager davantage. Monsieur Toussaint tient à remercier tous les bénévoles et tous les gens présents ici ce soir qui supportent la cause du ballet Edith Toussaint. La présidente du conseil, Madame Marie-Ange Barbancourt, tient à remercier TV7D de leur présence ce soir pour filmer le spectacle. Monsieur Toussaint tient à remercier Monsieur et Madame Laurando pour leur soutien constant au sein de la compagnie en tant qu'aide technique. Et un merci tout spécial de la part de Monsieur Toussaint à Monsieur Elmer Joseph, qui est avec nous ce soir, un grand designer parisien d'origine haïtienne, pour avoir habillé Monsieur Louis-Philippe Laurando, Monsieur Timothy Tompkins et Monsieur Toussaint lui-même. Maintenant, on peut les applaudir. Maintenant, le ballet Edith Toussaint aimerait installer à chaque gala une note de couleur spéciale. Monsieur Toussaint tient toujours à se rappeler d'où il vient, à sa manière, bien sûr.
Maintenant, public, cher public, allez danser. Faites honneur à mon pays, voilà, qui a permis que je sois qui je suis. Merci beaucoup à tous. Et je pense, je répète, chaque année, la cause est noble. Et j'espère que vous allez nous aider à la continuer. Merci d'être venus.